On a un patient qui est en arrêt cardio-respiratoire sur un syndrome coronarien aigu. Réanimer un mannequin inerte, suturer une mousse synthétique ou réaliser une épisiotomie sur un jarret de porc. Les étudiants en médecine doivent parfois redoubler de créativité pour réviser leur classique. Dans le Pas-de-Calais, une petite entreprise a conçu un simulateur un peu plus réaliste. Voilà, on fabrique une main pour aider les étudiants en médecine et les chirurgiens à s'entraîner. Pour confectionner cette main, un revêtement en silicone a été spécifiquement étudié pour imiter au mieux la texture de la chair humaine. Au niveau des artères, pareil, quand le doigt est coupé, il faut revasculariser toute la main, il faut réparer les tendons, il faut recoudre les vaisseaux. Ce qui a été un très gros travail pour nous de pouvoir retrouver tous les matériaux qui vont donner la sensation du réel. Et pour retrouver cette sensation, tout commence par une modélisation informatique. Ce qu'il faudrait peut-être aussi, c'est réimprimer une phalange pour voir si on est raccord entre les volumes, entre l'enveloppe et le squelette. Ok. Autrefois, on avait besoin d'un sculpteur pour créer les objets. À présent, on a tout en informatique et il suffit de, on va dire, cliquer pour avoir l'objet physique. L'impression 3D permet de réaliser l'empreinte de la main pour créer le moulage qui lui donnera sa forme finale. Même chose pour les os, qui après impression seront façonnés dans cet atelier. Alors ici on fait la fabrication des os proprement dit. Donc on a des moules spécifiques à chaque bout de doigt. Une fois moulés, tous ces petits os seront assemblés un à un pour reproduire à l'identique le squelette de la main. Ils seront ensuite apposés à ces petites cordelettes qui feront office de tendons. On est obligé de faire très attention à garder la courbure de la main et puis faire très attention à ce que les tendons puissent coulisser dans la gaine quand on va pouvoir les tirer pour tendre ou replier les doigts dans l'enveloppe. Il ne reste plus qu'à enfiler le squelette dans un gant de silicone. Mais cette étape de fabrication, brevetée, reste secrète. Aujourd'hui, cette main n'est pas encore utilisée pour la formation officielle des internes, mais elle pourrait le devenir. À l'Institut Gustave Roussy, à Villejuif, un chirurgien teste le futur protocole dans les conditions réelles d'un bloc opératoire. L'objectif de l'exercice aujourd'hui, c'est de réparer une artère collatérale digitale. Tu as le droit de choisir les instruments qui te semblent judicieux, les fils dont tu aurais besoin. Au programme aujourd'hui, un accident domestique des plus classiques. Une entaille dans la main qui pourrait causer des lésions nerveuses et artérielles. Là, on voit que tout le système tendineux il est intact. Par contre, le paquet vasculonerveux côté radial qui a été sectionné, donc c'est celui-là qu'on va devoir réparer. Donc la difficulté pour elle, c'est de faire des sutures avec des fils de très petite taille sur une artère d'environ 1 mm. 1 mm, c'est le diamètre des artères naturelles que reproduit le simulateur. Un avantage de taille, car peu d'outils pédagogiques existent aujourd'hui pour entraîner les apprentis chirurgiens. À part les livres d'anatomie et l'entraînement sur cadavre, qui est de plus en plus difficile vu qu'il y a une pénurie actuellement, on a l'entraînement sur les rats de laboratoire, sauf qu'avec le développement des groupes de défense des animaux, c'est devenu compliqué d'avoir accès aux rats. Centre bien ton image, oriente-la comme il faut pour que tu sois droit. Voilà. Cette main artificielle a aussi d'autres usages. Ici, elle est utilisée pour apprendre à manipuler de nouveaux outils, comme ce robot de microchirurgie. Avec le bras de robot, quand on pique quelque chose, qu'on opère, on ne le sent pas. Du coup, c'est important de s'entraîner visuellement pour voir comment les choses évoluent quand on pique dans un vaisseau artificiel, mais qui ressemble à un vaisseau humain. Mais aux yeux des professionnels, cette main artificielle manque encore de réalisme. Elle n'est donc pas à la hauteur de Dame Nature. Son prix s'élève actuellement à 300 euros.